Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet Lissungi dans les départements du pays, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a lancé les activités de ce projet à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza. À cette occasion, comme dans d'autres localités, elle a martelé sur la probité morale des acteurs impliqués dans le ciblage des ménages bénéficiaires des allocations du projet. Il y a des critères, on doit respecter ces critères. Mais alors, à la lettre, responsabilité, rigueur, intégrité. Sur ce, je déclare lancer les activités de préparation du passage à l'échelle du projet Lissungi dans le département de la Bouenza. Les populations de Madingou qui attendaient impatiemment le projet Lissungi n'ont pas manqué de saluer son arrivée dans la localité. C'est une avec joie que nous accueillons ça. Que le gouvernement fasse davantage, c'est une très bonne chose pour les populations les plus démunies. Je leur conseille de bien gérer ce que Lissungi va leur donner. Pour qu'ils subsistent jusqu'à la saison nouvelle. Au total, 28 678 ménages sont éligibles à l'aide de Lissungi sur un total de 434 925 habitants dans le département de la Bouenza. Après le lancement, s'en est suivie la formation des acteurs qui devront mettre en œuvre le projet.